L'histoire de notre pays ne semble pas vouloir te donner de répit pour réaliser ce programme de bonheur. Telle une mère en furie, la nation congolaise a presque toujours été agitée par des vagues de malheur. Guerre civile, chômage des jeunes, misère des retraités, dégradation continue des systèmes scolaires et sanitaires, taux de mortalité infantile, maternelle et sénile, déliquescence morale et tant d'autres maux. C'est ainsi qu'en dépit de la paix civile incontestable que connaît notre pays depuis quelques décennies, la longue nuit dont parle notre hymne national tarde à s'achever. Le grand bonheur auquel nous aspirons depuis l'indépendance de notre pays peine à surgir parce que les Congolais de toutes origines continuent de pleurer et de souffrir le supplice et le calvaire. Supplice et calvaire qui ont plusieurs causes ou origines. La violence. La violence est massive dans notre mémoire collective. Plusieurs conflits larvés ou ouverts, armés ou non, n'ont cessé de secouer notre pays. 1959, 1986, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000, 2016, pour ne citer que ceux-là. Tous ces déchirements entre frères et sœurs d'une même nation ont occasionné de nombreuses blessures, provoqué des pertes incommensurables en vies humaines et en biens matériels. Je peux dire que jusqu'à ce jour, la nation congolaise ne s'est pas encore relevée des cendres de ces nouveaux feux qui l'ont dévoré et qui continuent de brouiller l'horizon de son avenir. D'aucuns semblent reconnaître au Congo, notre pays, une prédilection à l'instabilité, à la haine entre fils et filles d'un même pays, à la fatalité du perpétuel recommencement des mêmes fautes et des mêmes erreurs. Et pourtant, quitter ce chemin de malheur demeure un projet possible pour les Congolais. C'est ma conviction la plus profonde. C'est le désir le plus ardent de notre Dieu qui ne veut pour le peuple congolais qu'une seule chose, la paix. J'écoute que dira le Seigneur. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Oui, un Congo pacifié et uni est possible. C'était d'ailleurs le désir des pères fondateurs de notre nation, merveilleusement exprimé dans notre hymne national. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Mais l'accomplissement d'un tel projet ne saurait advenir comme par enchantement. Il doit être voulu par tous, ce qui suppose que nous y travaillions en apprenant patiemment à nous défaire de la haine et de la jalousie, du mensonge et de l'égoïsme, de la corruption et de l'impunité. Les Saintes Écritures, qui contiennent de nombreux récits rapportant la violence humaine, nous enseignent surtout comment la vaincre par le dialogue, le pardon, la réconciliation et la douceur confèrent les béatitudes. Ce n'est pas un hasard si le premier chant du psautier déclare « Le Seigneur bénit le chemin des justes, mais celui des méchants et des violents, il l'efface
et le condamne à la perdition. Psaume 1. Que de seigneurs de guerre n'avons-nous pas connus dans ce pays, mais qui ont été eux-mêmes engloutis par la terre. Bannissons donc la violence du milieu de nous et vivons dans la paix. L'abandon de la jeunesse congolaise à elle-même. Notre jeunesse est aujourd'hui abandonnée à elle-même. Mais s'il est ainsi, c'est bien parce que la jeunesse n'est plus au centre de nos préoccupations ni de nos efforts en tant que société et en tant que nation. On peut le dire, ceux de nos enfants et jeunes qui réussissent encore de nos jours le doivent de plus au sacrifice de leurs parents, de leurs amis, plus qu'à la nation. Et pourtant, les Saintes Écritures nous invitent instamment à porter un regard bienveillant sur cette couche sensible de la société que constituent les enfants et les jeunes. Dans les évangiles, il nous est rapporté que Jésus se fâcha contre ses disciples qui tentaient de repousser des enfants qu'on lui présentait. Voici ce que Jésus déclara au sujet de cette couche sociale qui donna même un modèle aux adultes. « Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car c'est à leur pareil qu'appartient le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit-enfant n'y entrera pas. » Après avoir dit cela, il embrassait les enfants et les bénissait en leur imposant les mains. Déjà, dans l'Ancien Testament, les enfants étaient présentés comme signes de bénédiction et de richesse. Voici ce que déclare le psaume 127. À ce sujet, c'est l'héritage de Yahvé que d'avoir des fils. Une récompense, le fruit des entrailles. Comme des flèches entre les mains du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Ce regard positif de la parole de Dieu sur nos enfants et nos jeunes ne devrait-il pas être aussi le nôtre pour induire en nous des comportements nouveaux? Le pape François nous donnait un bel exemple de cette conversion du regard lors de son audience du 30 janvier 2019. Les jeunes ne sont pas le demain. Non, ils sont l'aujourd'hui pour le demain. Ils ne sont pas le en attendant, mais ils sont l'aujourd'hui, le maintenant de l'Église et du monde. Et j'ai fait appel à la responsabilité des adultes pour que ne manque pas aux nouvelles générations l'instruction, le travail, la communauté et la famille. Et ceci est la clé dans le monde en ce moment, parce que ces choses manquent. L'instruction, c'est-à-dire l'éducation, le travail. Combien de jeunes en sont privés? La communauté qui se sent accueillie en famille et dans la société. Hélas, ce regard bienveillant des Écritures et du pape François sur la jeunesse est aujourd'hui, de façon presque généralisée, très loin de prendre assise en terre congolaise. Sans vouloir être un Amos des temps présents, mon regard de pasteur, cheminant aux côtés du troupeau à moi confié par le Seigneur, et donc connaissant bien le rythme de ses pas, je ne peux pas ne pas voir et revoir tous ces jeunes désorientés, désœuvrés, déscolarisés, exposés aux gains faciles et donc à la tentation de la violence. La violence des milices, la violence des bébés noirs, la violence à l'école, la violence dans les familles et j'en passe. Certains ont même été amenés par leurs aînés à se salir les mains
du sang de leurs compatriotes, voire de leurs parents. C'est un grand chagrin, un vrai désastre. Dans cette même perspective, comment ne pas évoquer avec toute la douleur de mon cœur le comportement indécent des jeunes dans de nombreuses familles congolaises lors des crises comme la maladie, la mort, les obsèques, le partage d'héritage, etc. Les persécutions et les chasses aux sorciers, les règlements de comptes et expropriations, la dureté et la vulgarité du langage, les danses funèbres, voire funestes, les chants obscènes durant les veillées, sans oublier la consommation abusive des drogues et d'alcool fort, parfois frelaté, pour ne citer que ces quelques exemples de dérapage à la mode chez nos jeunes. Tout cela se passe de surcroît dans l'agitation la plus totale, dans le tumulte et la frénésie, de sorte que tous les événements malheureux et même heureux de notre société, il n'y a guère plus de place au recueillement, à la méditation, à la réflexion, à la pondération. Et n'allez surtout pas vous attendre à ce que les jeunes viennent lors des deuils consoler celle ou celui qui est éprouvé. Non, ils viennent pour faire la casse ou tout au moins pour faire la loi, leur loi. Monseigneur Batantou, mon prédécesseur, dont nous venons de clôturer le jubilé marquant les 15 ans de sa disparition, fonda l'Escola Populaire dans le but, entre autres, de christianiser l'animation des veillées déjà bien païennes en son temps. Il n'avait pas si mal pensé en interdisant l'usage des tam-tams aussi longtemps que l'inhumation n'a pas encore eu lieu. Hélas, aujourd'hui, ses recommandations, tout comme d'ailleurs les avancées significatives obtenues grâce à sa fécondité artistique et au travail évangélisateur des scolaires populaires, ont été oubliés, rangés dans les tiroirs de l'indésirable, de l'anachronique. Aujourd'hui, les veillées, surtout la dernière, sont devenues de véritables orgies. Oui, des parties de danse arrosées de boissons, de chanvre et autres sornettes du genre. J'appelle nos jeunes à un sursaut, à revenir aux pratiques du deuil qui inspiraient le respect et la dignité pour nos défunts, mais aussi pour les vivants qui restent. Pour ceux qui ne le savent pas, nos pratiques d'aujourd'hui ne sont pas en conformité ni avec la foi dans l'au-delà héritée de nos ancêtres, ni avec notre foi chrétienne. Ces pratiques indécentes n'ont donc aucun fondement, pas dans notre culture bantou, pas dans la foi au Christ non plus. Et non, dès lors qu'un seul mérite, celui de faire du Congolais moderne un être biscornu, sans valeur, sans respect, ni pour les vivants, ni pour les morts. D'ailleurs, de la même manière que nous pillons les vivants, de la même manière nous vandalisons les tombes des trépassés quand nous ne faisons pas disparaître des cimetières entiers dans les matitis, c'est-à-dire les herbes, ou sous nos maisons. Qu'avons-nous donc fait de l'invitation du Saint-Père à pratiquer la septième œuvre de miséricorde qui demande d'ensevelir les morts avec dignité? Mon fils, répands tes larmes pour un mort, pousse des lamentations pour montrer ton chagrin, puis enterre le cadavre selon le cérémonial et ne manque pas d'honorer sa tombe. Des adultes de plus en plus incapables d'assumer leurs responsabilités.
À vrai dire, l'attention que nous portons aux enfants et aux jeunes est tributaire du degré de notre conscience d'adulte ayant une grande responsabilité vis-à-vis des plus jeunes. D'ailleurs, l'éducation n'atteint son but que là où elle permet aux aînés de transmettre des valeurs aux cadets afin qu'ils soient en mesure de leur succéder. Mais quelles sont-elles nos valeurs que nous voulons léguer à la postérité? Est-ce le vol et la corruption? Est-ce la légèreté des mœurs ou le vagabondage sexuel qui fait qu'aujourd'hui chez nous, les pères vont avec les enfants, voire les petits-enfants? Éduquer, ce n'est pas seulement transmettre des connaissances intellectuelles, mais former l'homme dans toutes ses facettes pour en faire, selon l'expression de Saint-Irénée de Lyon, un être debout. J'en appelle donc aux adultes et aux aînés dans la société, dans la connaissance et dans la foi, et tout particulièrement aux responsables politiques qui président aux destinées de notre peuple. Levez-vous pour sauver la jeunesse congolaise, pour l'aider à puiser en elle-même l'énergie d'une fécondité nouvelle qui enfantera un Congo nouveau, celui que nous appelons de tous nos vœux.